Eh bien bonjour tout le monde, c'est Super Brioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Cuphead. J'espère que vous allez bien, je suis très surexcitation pour continuer parce que j'avais hâte de reprendre un niveau de plateforme pour récupérer des pièces et acheter des compétences beaucoup plus utiles que ce que j'ai acheté la dernière fois. Donc n'attendons pas une seconde de plus et fonçons dans le tri-top trouble et essayons de récupérer ces 5 pièces tout en gardant l'esprit sain. Ok, alors, on rentre dans le vif du sujet. Ok, donc nous avons les... D'accord. Donc, coccinelle meurtrieuse. D'accord. Ah, slap, slap, slap. Alors, le truc... Attendez. On m'avait dit autre chose. On m'avait dit... Change les fucking contrôles. Bon, ok. Je changerai pas les contrôles. Je suis un peu trop habitué aux contrôles de base. Faut que je te slap, toi. Voilà. Et aussi, j'ai pas réussi à faire tout à fait ce que je voulais. Je voulais mettre le tir sur la gâchette de la manette. Et il veut pas que ce que je... What? Le mec? Il est tombé dans le trou et il fait genre, je reviens. Attends, faut que je te slap. Magnifique. Voilà. Tu tires! Ça servait à rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je re... Ok, j'arrive pas à slapper. Hein. Oh. J'ai trompé de bouton. Oh non, qui es-tu, toi? Oh, je t'ai pas vu la pièce là. Ok. Dégage. Wop. Je suis allé dans la mort. Ok, donc la première étape, on devrait s'en sortir. Ouais, vite fait quand même. Allez, il me faut des slaps là. Donnez-moi des slaps. Du slap. Un. Magnifique. Une pièce une. Ok. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? J'ai slapé. Oh, je suis tombé. C'est pas grave, il faut qu'on envoie un peu plus dans ce monde de brutes. Je suis en haut. Rose. Non, je peux pas taper dedans. Ok. Je tire. Oh, ouf. Ah merde, je pensais que je pouvais sauter dessus. Alors ça, c'est pas très sympa, parce qu'ils ont une belle petite plateforme comme ça, comme une pâte à pizza, et tu peux pas sauter dessus. Ouais, non! Putain, je voulais pas prendre de dégâts là. Tiens, mais oh, mais c'est bon quoi, recommence. Regardez, speedrun. Ok, ça marche pas. On est à la phase 2. Attends, j'ai oublié la pièce. On est à la phase 2 avec 3 PV. C'est pas mal. J'aurais bien voulu le tuer lui. Non, c'est pas grave, il va pas m'embêter. On est pas mal là. Dégage toi, mais en plus t'es moche. Ok, ne pas sauter sur le truc là. Voilà. Oh, une autre pièce. Oh là 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 là, mais quelle folie. Attention. Ah, on peut le tuer. Mais voilà aussi. On me le dit pas, moi. Je pense à Locke, hein. Quoi? Oh, c'est pas gentil ça, parce que je suis tombé. Et il y avait plus le niveau. Du coup, il a fait genre. Bah, il y a plus de niveau. Et j'ai perdu un PV. Ça, c'est pas gentil du tout. Tu ne peux pas tomber. Ok. Pas de pièce qui traîne. Si, il y a une pièce, attention. Ok, je pense savoir ce qu'il faut faire. Hop. Quel était ce... Ok. C'est pas grave, mais j'étais pas au courant. Encore une fois, on ne me prévient pas qu'il y a des boules de feu qui se pointent comme ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, là il faut... Ok. Ouh. Pièce. Oh, mais pourquoi mourir toujours à la fin, juste avant la fin? Ça, c'est la théorie de Sly. Vous vous rappelez la théorie de Sly? Toujours mourir juste avant le checkpoint. Toujours. Bon, cette phase-là, à la base, elle est pas bien difficile, donc on devrait pouvoir y retourner. On se fait pas avoir par la boule de feu. On attend qu'elle s'en aille. Voilà. Voilà, je crois que j'ai toutes les pièces. Hein. Je sais pas si on peut le voir pendant le jeu, mais... Je crois que j'ai toutes les pièces. Maintenant, il ne faut pas mourir. C'est quelque chose de... Voilà, c'est pas comme ça. Ok, c'est bon. Hein. Ça va qu'il y a une petite... Il y a un petit moment... Où mes PV ne sont pas gaspillés. Reviens, monsieur à la feuille. Merci. Voilà, et alors là,
Voilà, magnifique, 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 magnifique. Il me reste 2 PV, on n'aura pas le perfect parce que j'ai pris un dégât, mais... Quoi? Ok, tiens. Super attaque. Ah, j'ai pas de super attaque parce que je suis pas en avion. Ok, ok, donc je vais faire juste mes attaques un peu spéciales, mais pas de super attaque. C'est pas grave. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, attention. Ok, c'est bon. On aurait pu crever juste avant la fin, mais c'est pas grave. B-. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Magnifique. Allons acheter des trucs qui ne soient pas des charmes. Genre un nouveau tir. Vas-y, vas-y, vas-y. Combien j'ai de pièces? J'en ai 5. J'en ai 5. Alors, on augmente la range. Bello average damage. No aiming required. Moi, je voudrais ça, en fait, le spread. On va prendre ça. Alors, le problème, c'est que maintenant, je n'ai qu'une pièce, donc à mon avis, il n'y a rien à acheter. Ok, donc, laisse ça. Goodbye, merci, merci. Je vais le mettre en shoot B, voilà, magnifique. Magnifique. Et vous voyez, il y a une case super que, pour l'instant, je n'ai pas. Alors, on m'a conseillé d'aller voir le truc qui était là. Bonjour, Madame Poisson. Oui, c'est une dame parce qu'elle a un petit nœud rose, bien sûr. Ok, très intéressant, madame, c'est très intéressant, je m'en fous de ta vie. On va ici, mausoléum 1. Alors, je peux switch d'armes. Oh, regardez-moi comment ça va être bien, ça. Oh, des fantômes roses. Ok. Ok, Ok. Quoi? Mais... Ok, bon, en gros, je crois qu'on doit protéger le truc là. Des fantômes. Quoi? Je crois qu'on doit protéger ça des fantômes, sauf que on ne peut que les slapouilles. Voilà. Donc c'est bien, j'ai acheté une arme qui ne me sert absolument pas pour ce niveau. Très très bien. Parce qu'ils prennent pas de dégâts en fait. Ouais ouais. Oh là, oh là, oh là, slap. Voilà, ok. Faut protéger l'urne. Après, c'était marqué mausoléum numéro 1. Donc, il va y en avoir d'autres avec plus de fantômes. Ok. Bah, c'était pas bien compliqué. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Gosh, I don't know how to thank your boy for saving me. Where are my manners? Où sont mes manières? Je me suis même pas introduit moi-même. I am known as the legendary Calice. You unlock your new super. Bah voilà. Ok, magnifique. Donc nous avons... Oui, d'accord, d'accord. C'est bon, je vais l'équiper ton truc, tu me saoules pas. Nous avons un super. Energy beam. A devastating attack. Qui spill from your head. Horizontally only. Donc en gros, ça s'utilise quand j'ai ma barre pleine. Comme avec l'avion, quand on avait notre capacité super, justement. On va essayer de le déglinguer. Le clip Join Calamity, très bien. Ribby and Croak. Voilà. Ouais, en fait, voilà, c'est comme ça que ça se lit. Ribby and Croaks, c'est donc ceux à qui on va piquer leurs âmes, dans Clip Join Calamity. On va pouvoir utiliser notre seconde arme. Qui, du coup, normalement... Voilà. Elle ne tire pas très loin, comme vous le voyez. Oh là là. Oh là là. Viens là, toi. Oh là 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 là, je sais pas trop comment ça marche. La rose. Ah, vas-y, ah, j'ai paniqué. Waouh! J'ai un peu paniqué, hein. Alors, je sais pas si cette arme-là est très bien pour ce boss. On va pas se le cacher. J'ai trop peur de slapper les trucs roses, là, en fait. Je préfère remplir ma barre avec l'attaque normale. C'est bien pratique pour se débarrasser des mouches qui pètent, là. Des mouches en feu. Ok, j'ai mon attaque. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Non, qu'est-ce qu'il fait? C'était pas prévu ça, monsieur. Tiens. Comment ça marche, en fait? Oh. Mais ça filmait plus la cam. C'est quoi ce travail? Je pouvais pas vous dire... Je pouvais pas montrer mon désarroi. Quel dommage. J'ai peut-être resté avec mon arme classique, je sais pas trop. Quoique, non, sur eux, c'est tellement mieux. En fait, il faut que... Voilà, il faut que sur l'étape 1, voilà, je reste avec ça. Et là, quand le monsieur... Voilà. Là, tu reviens comme ça. Et tu tires. Magnifique.
Alors par contre pour slapper les trucs roses c'est vraiment trop dangereux là. Oh ! Ça me paraît vraiment dangereux. Là je pense qu'on a une bonne technique comme ça. Oh mon dieu il va rouler. Hop là. Alors le problème c'est qu'après il fait des drôles de trucs, non ? Qu'est-ce que c'est que ça là ? Oh il souffle. Mais qu'est-ce que tu veux ? Il me balance ses trucs. C'est bon. Oh non mais il continue ! J'ai ma super attaque. Je vais pas retourner à la droite parce que... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est bon. Ah, c'est nouveau ça. Mais... Oh, une pièce. Non, faut pas manger les pièces. Stop it ! Attends, reprends ton arme normale. Qu'est-ce que... Oh, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok, mais what? Mais vous inventez ces trucs? Ok, au moins on était dans le dernier tiers. Et là, il faut monter sur les trucs. Ah non, c'est pas pareil, là c'est tigre. C'est quoi les tigres? Putain, mais quoi? Ok, je peux quand même sauter dessus, mais il y a les bouboules. Tire en même temps, parce que sinon... C'est la merde. Ok, les pièces. Putain, j'ai perdu un PV avec tes bêtises là. Tiens! Encore des tigres. Tiens. Eh merde. Non. Il va mourir. Laisse-le mourir. Les pièces. Il prend pas de dégâts quand il est comme ça. Je suis pas sûr qu'il ait pris des dégâts. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout va bien. Boule disco. Ne prends pas de dégâts. Tiens, prends-toi une montagne de lait. Voilà, magnifique. Oh non, je l'aime pas ça. Je l'aime pas du tout. Ok, concentre-toi sur la plateforme. Voilà. En fait, c'est le plus simple, mais mon cerveau le capte mal. Voilà, c'est bon ça. Attendez, on a encore pas pris de dégâts, imaginez ce bordel! Déjà, tu fais ça. Bah! Oh! Bah! Bah! Oh! Bah! Oh! Bah! Oh! Oh! Non! On a pris des dégâts! Non, j'ai utilisé ma super attaque alors qu'il était invincible, on est tous dégoûtés! En fait, je peux pas vraiment utiliser mes super attaques pendant les trucs, quoi, parce que... Il faut vraiment avoir un timing parfait pour faire les sauts. Oh, c'est bon! Oh bah c'est fini. Ça vaut quand même un petit A. Un B. Comme B. Bon, qu'est-ce qu'on a débellouillé là? Débloqué, déverrouillé. Ah oui, le monsieur H là. Attendez, on n'est pas allé tout là-bas. On va lui parler. Bonjour, aide-moi. On va s'occuper de ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un autre boss, la Floral Fury. Ça m'a l'air fort sympathique. Cagni Carnation. Eh bien écoutez, ce niveau on se fera la prochaine fois. Donc c'est un boss. On regardera ce qu'il y a ici, et après on pourra aller à droite, il y a le truc du casino, j'ai l'impression. Et un espèce de gâteau, ça m'a l'air sympathique. Bon, je crois que j'ai fait à peu près 20%. Alors soit j'ai fait 20% du jeu, soit j'ai fait 20% du niveau 1. Mais en tout cas on avance plutôt bien, enfin je veux dire les vidéos sont courtes, mais c'est aussi qu'on profite ensemble quoi, qu'on n'aille pas trop vite. Et puis bah voilà, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé parce que la cam à un moment elle a coupé, j'ai pas fait gaffe. J'espère qu'on n'a pas raté trop. Mais voilà, des bisous à vous. Calmez vos nerfs et votre esprit. Et on se retrouve dans quelques jours pour la suite de Cuphead. Voilà, à bientôt.